Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la cousine qui habitait près de chez toi au Cameroun et qui a voulu te tuer? Chaque jour quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Effectivement, chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Voilà, vous savez, mes projecteurs, il y a de cela quelques jours, quand Diane, à travers le canal de Ruby, avait dit qu'il y avait l'une de ses cousines qu'elles habitaient le même quartier, qui a volé là où était la vie, sauf que ça court dans tous les sens. Et d'autres disent qu'elle n'a jamais dit, parler d'un cas d'empoisonnement et tout. Sauf que la question que nous entendons Ruby poser au départ, c'est l'histoire de ta cousine qui a voulu te tuer. Donc, ça veut dire que elle a eu l'intention. Sauf que cette fois-ci, cette dernière a donc pris les captures de la vidéo que j'ai présentée dernièrement. Vous savez, quand ça nous retrouve sur Facebook, nous on développe seulement. Donc, elle a pris les captures. Elle allait contacter Aïcha donc pour demander à Aïcha, pour supplier Aïcha à travers son canal également pour dire la vérité au public, au peuple camerounais. Nous allons donc prendre Aïcha et la cousine de Diane au téléphone et on se prend juste après pour coller un commentaire. Ok. Je vais l'appeler. Allô? 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 Si on n'a pas le réseau aussi, d'accord, il ne faut pas qu'on me dérange. Je suis d'abord fatiguée ou je suis ici là. Bonsoir les lions. Quand une personne demande à intervenir, gars, moi je laisse parler la personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir ma chérie, présente-toi. Ça n'a pas. Alors, je suis très très fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas la force, même l'énergie de crier. Donc, si tu n'as pas le réseau, ma chérie, on va laisser tomber. Parce que de base, je n'ai pas suivi le direct de Diane. Je n'ai pas suivi. Je suis passée dessus, honnêtement. Mais bon, quand quelqu'un dit Aïcha, je veux passer sur ta plateforme, j'ai des choses à dire. Moi, je laisse tout le monde s'exprimer. Et les juges de Facebook qui sont les lions, faire leurs propres conclusions. Là, si tu n'as pas le réseau, moi, je suis d'abord fatiguée. Je suis d'abord fatiguée. Vous me voyez ici. Je suis casse. Mais comme j'avais promis, moi, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je n'ai même pas lu. Pour vous dire vrai, elle m'a envoyé tellement de choses. Tellement de choses, tellement de choses. Je n'ai même pas lu ce qu'elle m'a envoyé. Je sais que Diane est passée dans le direct de Ruby, où elle a fait des déclarations, où elle a parlé de sa cousine qui voulait l'empoisonner. Bon, honnêtement, c'est comme quand Rosine est passée pour parler du viol. Bon, vous savez que quand il y a trop de dossiers en même temps, ça me trouble, ça me bouleverse. Je ne sais pas, je veux parler de quoi, laisser quoi. Donc, il y a d'autres dossiers que moi, je laisse passer. Il y a d'autres que j'estime que c'est un peu en priorité, je traite. D'autres que vous voyez un peu nos cas. C'est pas facile. Tout le temps, il y a beaucoup de dossiers. Donc, bref, elle a dit qu'elle veut parler. Mais si elle n'a pas le réseau, ça veut dire que ça veut tout dire. Hein? Ça veut dire que Dieu ne veut pas l'écouter. Parce que Diane a dit qu'elle pouvait et non qu'elle a. Ah! Moi, j'ai entendu que sa cousine voulait. Parce que sa cousine si m'a envoyé de ces messages. Beaucoup, 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 beaucoup de messages. Énormément de messages. Moi, je n'ai pas moi lu, dis donc. Moi, je ne vais pas vous mentir. Les gens qui sont partis chez Longangang. Quoi, c'est Longangang, non? Allô? Oui, ma chérie, parle, trouve le réseau, pardon. Voilà, donc, mais je n'ai pas moi pris la peine de regarder moi ce qu'elle a dit. Moi, je n'ai pas tout mon temps ici, là. Tu parles ou tu ne parles pas. Oh, bon, tant pis. Moi, je n'ai pas le temps, pardon. Tant pis pour elle. Bien, yeah. Vous constatez que Dieu ne veut pas
ou c'est les mensonges qu'elle devait dire ou c'est la vérité. Mais bon, elle devait prendre toutes les précautions pour que le direct se passe dans les bonnes conditions. Voilà, donc on n'a pas pu la voir. Et ceux qui viennent dire que Diane a dit qu'elle pouvait. Oui, pendant l'interview, elle a dit qu'elle pouvait. Mais sauf que au départ, Ruby dit, parle-nous de ta cousine qui a voulu te, n'est-ce pas? Et même le titre, vous voyez bien le titre sur la page de Ruby. Donc les amis, tout ce que vous venez ici raconter que Diane n'a pas dit que ceci, machin truc, ne nous prenez pas pour des cons. Hein. Nous-mêmes, on est en train de voir. De toutes les façons, nous on attend toujours ça sur Facebook, ça va nous retrouver. Ce qui est sûr, les vérités vont sortir et je vais venir vous dire, les amis. S'abonnez-vous et partagez la. Pause publicitaire! Mendes Center, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc, désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne, allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Saint-Aid. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.